Voici la méthode la plus efficace pour que vos ongles deviennent longs et forts. Un geste maladroit et hop, un ongle qui se casse. Mais plus la peine d'en faire un drame puisque nous avons une solution radicale pour finir avec les ongles cassants et fragiles. À vos doigts, prêts à noter. Les ongles des femmes sont un signe de féminité, plus ils sont longs, forts et bien entretenus, plus la femme paraît élégante et soignée. Malheureusement, certaines ont beau soigner leurs ongles, ils restent toujours cassants et fragiles. Voici les raisons de ce phénomène et la solution pour en finir définitivement et enfin pouvoir refaire des fantaisies avec les couleurs. Un ongle est une couche dure et insensible des doigts et des orteils, essentiellement composée de kératine, une protéine fibreuse qui peut facilement être fragilisée par les désagréments quotidiens, froid, eau, produits chimiques, chocs, etc. L'état des ongles reflète généralement l'état de santé physique ou mentale de l'individu. En général, des ongles mous sont un signe que la personne souffre d'une carence en zinc, en fer, en vitamine B et en sélénium. D'autres facteurs peuvent détruire vos ongles comme le stress et la fatigue qui poussent à les ronger. L'ongle est souvent associé aux cheveux car ils ont pratiquement la même composition. Ainsi, les astuces que l'on applique sur les ongles sont généralement aussi efficaces pour lutter contre la chute de cheveux. Comment venir à bout des ongles cassants? Voici une recette d'antan dont l'efficacité ne cesse de nous étonner, à base d'un condiment que nous avons tous dans notre cuisine et qui d'ailleurs est très bon pour la santé. La star du jour, c'est l'ail, les bienfaits de l'ail. L'ail est tout d'abord un antibiotique naturel, il est considéré comme un superaliment en raison de tous les nutriments qu'il contient. C'est un antioxydant très puissant qui lutte activement contre les maladies relatives au vieillissement. C'est aussi un anti-cancer très efficace. En effet, une méta-analyse qui porte sur 18 études publiées entre les années 60 et 90 a démontré que ce condiment réduisait de 50 les risques du cancer de l'estomac et de 30 les risques du cancer colorectal. Il protège le corps des substances cancérigènes, freine le développement des cellules cancéreuses, combat les maladies cardiovasculaires et les infections. Ce condiment est très riche en nutriments. Il contient du magnésium, du potassium, du phosphore, du calcium, du cuivre, du fer, du manganèse, de la vitamine C et B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 en quantité et enfin, du sélénium. Tous ces composants sont indispensables à des ongles forts, sains et durs. Le sélénium en particulier est un oligoélément indispensable à l'organisme. Il prévient les cancers, agit en tant qu'antioxydant grâce à la production de glutathion, une enzyme qui empêche l'oxydation des cellules, et renforce le système immunitaire. C'est une carence en sélénium qui fait que les ongles deviennent cassants et mous. L'astuce pour rendre vos ongles plus forts. Vous aurez besoin d'une gousse d'ail, d'un vernis transparent naturel, disponible en vente en ligne ou dans les magasins spécialisés, d'un poussoir à cuticules, d'une planche à découper et d'un couteau. Hachez votre gousse d'ail sur la planche à découper, faites des morceaux assez fins pour les introduire facilement dans le flacon de vernis. Insérez-les dedans puis remuez. Laissez agir pendant une semaine. Le vernis sera imprégné d'ail, vous pourrez enfin l'utiliser comme à votre habitude. Repoussez vos cuticules à l'aide d'un poussoir. Vous devez appliquer le vernis 2 à 3 fois par semaine pour un bon résultat. Et si vous n'avez pas peur de sentir fort,
Vous pouvez également frotter une gousse d'ail fendu en deux directement sur vos ongles, laisser agir le plus longtemps possible puis rincer. Ces techniques redonneront de la force à vos ongles, ils deviendront ainsi moins cassants et vous pourrez les faire pousser à votre guise. D'autres astuces pour faire pousser vos ongles et les rendre plus résistants. Consommez des noix du Brésil, riches en sélénium. Optez pour des produits naturels et des compléments alimentaires qui vous apporteront les nutriments nécessaires tels que la levure de bière qui est riche en vitamine B, des raisins secs, etc. Faites des massages à l'huile de ricin qui est excellente pour la pousse des cheveux, des cils et des ongles. Limez vos ongles de matière régulière pour éviter qu'ils ne poussent trop. Des ongles trop longs ont tendance à se dédoubler et devenir cassants.